après le premier match de ce mondial. Et sur l'autre touche, eh bien, il y aura un arbitre que l'on se craigne beaucoup. Faute sur Stojkovic. Pied gauche, balle remise de la tête dégagée par Burfald et reprise de réparation aux prises avec Reuter et bon ballon. Brême. Une faute de Stojkovic, le futur Marseillais. C'est Reuter. Aux prises avec Voljic. Voljic qui a remarquablement joué. Le tacle d'Andras Brémeux est sans doute le premier carton. Le voilà. Andreas Brémeux, on vous aime quand même, vous, beaucoup. Alors, il a taclé là le poteau de corner. Je pense que c'est Uwe Bein. Oui, c'est bien le numéro 15. Vulic. Ah, pas mal. Avec une obstruction de Brémeux. Qui aurait tout intérêt à se méfier. Il a déjà été à Berthold. Il a cherché Klinsmann. Mais il allait bien, tout comme Klinsmann, justement. Oh, quelle puissance là de la part de Klinsmann. Ah, mais monsieur Mikkelsen avait sifflé avant. Alors que. Et du pied gauche, c'est pas mal là. Bon tir cadré, mais bon arrêt de Ivković. Avec un mur qui... Zlatko Vujovic, s'il arrive à temps. S'écarter. Elle est sortie. Oh là. Oh, je voudrais bien revoir ça. Ouais, c'est pas sûr, hein. Ça me semble pas évident du tout. Mais monsieur Liskevic, il a pas hésité. Zlatko Vujovic, qui rate son tir. Bien joué, Bein. Hogan Thaler est sorti de Ivković, protégé par Zibedjic. Malgré une mésentente entre... Nous voit Zlatko Vujovic, les Allemands repartent par Reuter. Accroché Reuter par... Frappe du pied gauche, but. Quelle action de jeu. Superbe but. Quelle action de jeu entre l'extérieur du pied au départ, le contrôle orienté de Lothar Matthäus. Pardon. Là, il l'a servi. Il peut sortir. Oh oui. Oui, mais... Zlatko Vujovic accroché par Berthold. Ah, bien joué. Ça fait Susic juste à l'entrée de la surface. Sur le ballon. Attention, Völler à la lutte avec Josic. Et Koutien. Asler. Tir contré, heureusement pour Brême. La tête de Rudi Völler au premier poteau. Bien joué. Mais Reuter, centre du pied droit, la tête de Völler contrée. Jig Völler toujours dans les 16 mètres. Petit filet. Au premier poteau. Et but de Klinsmann. Il a le temps d'ajuster son centre. Quel but extraordinaire. Klaus Augenthaler, une énorme transversale sur Brémeux. Absolument. Un défenseur pour Brémeux, un autre défenseur. Et centre au milieu de commentateur, ça ferait toujours 0-0. Alors il en faut des erreurs et des erreurs de marquage. Accélération de Thomas Asler. Frappe du pied gauche croisé à côté. Ouais, c'est à peu près le même style d'action qu'il avait eu. Les arrêts de jeu. On est une minute après la fin du temps réglementaire. Enfin. ME sur la gauche et Reuter. Klinsmann. Plus puissant et plus rapide Klinsmann que Spasic. Et corner. En opposition. Et c'est superbement frappé. Frappé et bien repris de la tête par Burwald, mais au-dessus du but de Ivković. Susic. Il a bien réussi, il va pouvoir frapper. Tir à ras de terre, mais bien pris par Bodo Hildner. C'est en fait le premier arrêt. Bodo Hildner, lui, sportivement. Alors, faute sur Asler. Il se rebiffe le petit Asler. Oui. Faute de Baljic sur le petit milieu de terrain ouest-slav. Il est bien frappé. Oui, Burwald, mais au-dessus de Ivković. Ah, mais ça sera... s'en va à longue des enjambées. Rudi Völler accroché par Sler. Cette fois-ci, il a frappé. Belle frappe qui est bien montée, mais un peu trop haut. Oui, elle est trop montée. C'est... avec Il trouve magnifiquement... Asler attire contré par José.
à 16 ans et quelques mois. Ouf, oui, faute facile sur Stojkovic de Brême. N'auront jamais battu Stojkovic. Un bon coup de tête et un but de Josić. Et sur ce coup le franc. Match est top qui peut relancer. Beau but de Josić. Sauter plus haut que tout le monde. Un coup franc remarquablement donné par Dragan. Ah, il s'en sort bien. Deuxième poteau. Oui, Vulić pousse un peu loin le ballon. Il a tenté le grand pont et de très peu. Une deux avec Klinsmann, mais trop long. Et Brenović peut prolonger. Quel but! Mateusz! Quelle frappe! Oh, quel modèle! Quelle accélération extraordinaire! Avec Colère toujours avec Uwe Bein. Orger, Mateusz, pied droit, pied gauche. Ah, ils sont beaux, hein. Avec une faute sur Bein. Un peu pris par derrière, par Vulić. Et si l'on pouvait voir un plan large, on verrait combien le belle marge de sécurité prennent moins de risques. Mais ça ne les empêche pas de continuer à attaquer. Oui, intercept que nous sommes en train de suivre et surtout la remarquable démonstration de Lothar Matthäus et de ses joueurs ouest-allemands. Vujovic qui était en position de hors-jeu, mais il était en position de hors-jeu au départ. But. Et but. Et but de Brême. Ou de Voller au choix. Ou de Ivković. Ou de Ivković comme on veut. Mais enfin, c'est un peu troué. Dans la tradition des grands gardiens yougoslaves. Non, il reste encore 20 minutes et au rythme où vont les choses. Avec un Tomislav Ivković qui doit... Zibedjic qui essaye de prendre de vitesse Uwe Bein. Ras de terre. Stojkovic. Ah, mal piqué. Il a tenté le lob. Ah oui. Il n'est pas hors jeu et Jürgen Klinsmann tout seul qui appelait Voller frappe croisée. Cette fois-ci il s'est bien touché passé une fois, deux fois, mais pas trois fois. Il est enfermé là, il a encore le ballon corner. Et il a le corner. Perdu ce ballon. Brême et encore toujours un centre disponible. Et encore la tête un coup de Klinsmann au-dessus. Parce que non seulement il est en position de centrer. Tout à fait extraordinaire. Oui, bonne qualité technique, comme elle vient. Müller, c'est le plus difficile. Ah, c'est pas mal fait, Stojkovic sur le côté. Vujovic a plongé, mais le... Toujours aux prises avec Brême. Et encore Brême, c'est lui qui donne. Il pourra, mais... Ah, Voller. Petit ballon. Et qui est là. Et Brême. Qui est là. Heureusement Spazić. Klinsmann. Elle n'est pas passée loin celle-là. Je crois que le côté droit d'Ivković n'est parce qu'il frappe fort. Bien tout à l'heure. Voilà. Oui. Mais là il est bien placé. Ouest-allemands entonnent leur chant de victoire. Car ils ont.